C'est vous les artistes? Oui. Essayez de trouver une solution. Voilà, regarde, si tu la mets comme ça, elle passe. D'accord? Des formes un peu bizarres, donc il faut vraiment bien plaquer partout. Voilà, super. Allez, toi t'as les lunettes, alors les lunettes c'est embêtant. Tu vas faire de la buée. Non, non, garde-les. Ah, pas trop près, attention. Pas trop près. Hé, hey, doué, bravo. On remplit bien. Fais d'abord le tour. Bon, on a fait des grenouilles. Après, on a fait des petites herbes de plusieurs couleurs pour. On a mis du scotch. On a mis déjà un modèle plaqué contre le mur. On a mis du scotch pour que ça la tient. Après, on a crassé avec un crayon à papier. Ouais. Après, on a recouvert de scotch pour pas que ça mette sous les côtés. Ça bave. Et après on a fait avec la bombe, on a tout recouvert, puis après on a enlevé le scotch et on l'a laissé sécher. Vous sentez la pression, on appuie délicatement, c'est pas la peine d'appuyer très c'est très pas, fort. Ouais, voilà, mais de manière continue. Comme là. Ouais. Ah, ouais. Fais-moi le haut de la patte là. Ensuite c'est notre ami. Ça y est. Tranquillement, comme ça. Voilà. Et après tu remplis à l'intérieur. Lilia, elle est douée, donc elle va pas se faire mal, elle va pas se blesser, elle va pas tomber, parce que sinon sa mère, elle nous tue. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, ouais. Sa maman, c'est... Ça dépend. Allez, un petit verre d'eau. Les filles, vous en pensez quoi? C'est trop bien. Bah, en vrai, c'est super beau. Ouais. C'est coloré. Laisse-toi leur niveau quand même. Ça donne envie de. Top. De venir se garer dans le parking. Après, c'est dommage qu'il y a qu'un côté qui est fait et que l'autre côté, ça donne. Ça fait un peu un mur un peu sale et le celui-là, il est bien propre, bien blanc, bien coloré. Les grenouilles, elles sont bien disposées avec les éléments végétaux. Du coup, ça donne envie. Faudrait que l'année prochaine ils refont l'atelier pour faire de l'autre côté. Ouais. Quoi d'écrit sur ton t-shirt? Il y a Action, il y a Ikea, il y a H&M, il y a Lacoste, il y a Telvet. Tu fais de la pub quoi? T'as raison, c'est un t-shirt griffé. Voilà, c'est tout moi qui ai fait. C'est les partenariats. Bravo. Autant placer un produit, je te jure. Qui va se passer? Je vais la teinturer en bombe. D'accord, quelle couleur? Sûrement vert. D'accord, ok. Et toi aussi, pourquoi une grenouille? Tu sais? Oui, parce que Jean-Rostin était un grand scientifique et biologiste et il a découvert beaucoup de choses grâce aux grenouilles.
Alors, pourquoi une grenouille? Parce que les grenouilles, c'est joyeux. Ça saute partout. Comme nos c'est élèves. C'est rigolo. Comme nos élèves. Ils essaient de s'échapper. Comme nos élèves. Et oui, voilà, parce que voilà, c'est sympathique. En plus, elles sont colorées. Et comme ça, le matin, quand on arrive, ben, ça donne le sourire de voir toutes ces couleurs. Et voilà, quoi. Alors, explique-moi, voilà, explique-moi à quoi ça sert. À capter la 7G, parce que la 4G, c'est pas suffisant, et pour que ça aille plus vite partout, ben, on capte la 7G grâce à ça. Et comme ça, ben, voilà. D'accord. Jean-Rostin, il a étudié les grenouilles. Et tu trouves que c'est une bonne idée? Bah ouais. D'avoir mis des grenouilles sur le mur du collège? Bah ouais, comme ça on représente le nom de notre collège. J'en aurais trois, pchitez-moi. Alors, explique, comment il faut faire pour bien bomber? Vas-y, explique-lui. Il faut que ça soit face au mur. Toujours face au mur. Il faut combler les petits trous. Pas trop près. Ah ouais. Là, il y a un petit manque et après, passe un maillot. Thank you.